Salut l'équipe, là je suis avec le corps de rêve qui vient tout droit de l'Allemagne pour vivre un moment unique. Et là il y a Madame l'agent. Madame l'agent et Monsieur l'agent. L'équipe, ça va péter. Celui qui n'est pas à Paris n'est nulle part. Il n'est nulle part, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine. C'est pas un endroit que vous pouvez manquer. Ça va être chaud, hein. Donc vous savez qui se pose toujours la question de savoir ce qui va se passer à Paris, est-ce qu'on va, si on sera sur Paris. Ben, on est sur Paris, quoi. Eh ouais. Nous, on est en place, le corps de rêve vient de l'Allemagne. Ça va péter. Yo, 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 l'équipe, on est en pause. On va accueillir l'assassin. L'assassin. Bon, c'est pas où? Oui, c'est même pas par où on va. C'est pas un bébé pas en fait. Faut savoir où ils sont précisément. Oui, vas-y. Ah, là-bas, 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 là-bas. Là-bas, là-bas. Par là-bas. Je fais quelle blague? Attends, il fallait que j'arrête de parler. Arrête alors. C'est après que tu me dis ça. Voilà Claudine. À Paris, Charles de Gaulle. Waouh, waouh, waouh. On est venu recevoir l'assassin en personne. C'est comment patron? Allez, c'est la bonne. C'est clair. Voilà, Valère. C'est ça, non, c'est pas Valère, c'est Ati. Moi, c'est Pompil. C'est moi. Salut. Suzanne. C'est Pompil. C'est moi, Pompil. Enchanté. Salut. Ça va. Bien. C'est Marcel. C'est comment? Ça va bien, toi. Ouais. Voilà. Daniel. Arthur. Il faut lui donner son cadeau. Allez, je vais prendre. Salut Marcel. Ok. Ça va. Hello. Salut. Du coup. C'est Daniel. Daniel, enchanté Daniel. L'assassin est à Paris. Manila. Chose promis, chose due. Bon. Mais Valère, c'est mon frère, non? Vous les cherchez là en chef là. Ça c'est. L'argent. Il y a le sac. Quoi ton coca? Ton biberon. Wow. Ok. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il faut qu'on parte déjà. Voyons pas. Libérer les voitures. Bon, l'équipe, le live c'était juste pour vous prouver que l'assassin est à Paris. Donc, réservez vos places pour samedi. Et on se voit ce samedi. Une petite porte de sortie. Ouais, non. En live avec l'agent en personne depuis Paname et toute l'équipe agent livre qui est là. Wow, magnifique. Non, pour moi c'est encore un rêve, il n'y a pas de rêve, j'ai acheté des tiches encore. Ah, mais t'es tiche, ouais. D'accord. C'est ce que je demande à Val. Ah, il faut qu'il gagne d'abord. C'est vrai, mais il faut qu'il trouve une place d'abord. Ok, d'accord. On va créer une place. Moi, je viens de Marseille, donc je peux trouver les places. Marseille. Ah ouais. Mais en ville comme ça, quand on gagne, c'est combien? Il faut d'abord trouver la place. Ah, tu as trouvé, hein? Non, c'est peut-être... Parce qu'à Paris, normalement... Mais il y a des places, il y a des places. Ah bon? Parce qu'à partir de 19h... Ah, là, il y a une place, là. Il y a des places, voilà. Oui, il y a une place. À partir de 19h, c'est pas trop. Ah, la chance, quand même. Dans la journée, comment tu... Si Marie qui a joué, ça doit être du légal. Mais surtout ici, là, sur les... Il y a beaucoup de touristes. Regarde, là, j'ai reçu. Ah ouais.
Tu sais que j'avais oublié un temps. Si tu veux pas ça maintenant. Tu bais. J'écoute dehors, j'écoute des SM. Ouais, monsieur. Tu veux que j'envoie. Je vais vous envoyer à tous le code. Et tu ne comprends pas. Pourquoi vous étiez comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu donnes autant? Son bon cœur. Hey. Ce n'est que moi. Tu me disais, mais c'est qui? C'est qui qui veut passer? C'est comme moi, t'inquiète. Écoutez, elle veut faire sa vidéo d'abord. Voilà. Peut te placer. Je vais arrêter les sites, s'il te plaît. C'est court, hein. C'est une vidéo vraiment. Non, vas-y, vas-y. Ah là, le costume te va. Ah bon? Toujours sur Duke Saga. Pendant que je suis en train de faire la vidéo. La tour est comme ça derrière. Oui, ça va sortir. Oui, ça va sortir. Donne à Nilia prendre bien les photos. Il dit, ok, parfait. Je prends la photo. Pendant que je suis en train de faire, tu vas prendre et après on va prendre juste les photos. D'accord. Actuellement en live de Paname, à côté de la Tour Eiffel. Les personnes qui avaient des doutes, nous sommes effectivement en balmaillot. Et c'est ici que va se dérouler l'ensemble des activités que nous avons programmées avec l'équipe d'Agent Livre, la Startup Academy et toutes les personnes qui nous suivent depuis des années. Parce que nous avons décidé cette fois d'exporter nos compétences en Afrique, en Occident, pour permettre à toutes les personnes, à tous les Africains qui sont ici, qui souhaitent investir, de pouvoir comprendre qu'en réalité, il est possible de pouvoir mener des activités prospères en Afrique et de pouvoir donc exporter ce savoir-faire-là auprès de nos frères qui sont ici. Donc actuellement, je viens d'arriver sur Paname, je suis avec toute l'équipe d'Agent Libre, je remercie toutes ces personnes pour l'accueil qui a été extraordinaire aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous toute cette semaine jusqu'au 27. Pour les activités dont vous allez avoir les informations au fur et à mesure. Donc rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité et pour le bilan. Et actuellement, nous sommes en train de faire un peu d'espionnage. Ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc pour ceux qui doutaient sur le fait qu'on est. On devait être sur Paris avec le docteur Claudel, ben nous y sommes. Oui, naturellement. Nous y sommes. Avec Agent Livre, l'agent en personne. Toujours, toujours. Et je veux préciser. Un gars qui a l'agent, il se balade avec l'argent. Donc je vais préciser quand même quelque chose, c'est que le docteur Claudel, c'est un chercheur d'argent certifié. Naturellement. Voilà. Certifié depuis de nombreuses années déjà. Et qui au quotidien continue la certification d'autres membres. Alors en live de la France, et première anecdote, c'est le fait que voici une mangue avec laquelle je suis venu. Et quand je leur dis, bon, comme la mangue est déjà gâtée, il faut la jeter, tout le monde s'exclame en rien. Comment on va jeter la mangue alors qu'on parle du recyclage? On va la recycler tout à l'heure et on va manger. Mais le petit chameau, là, tient au feu. On fait tout. Mais qu'est-ce qu'on menu? C'est le poulet DG. Il faut que je dise que... Si Burkinabé qui ne peut pas le poulet DG, c'est dangereux. C'est compliqué. Aïe. Donc, attention. Hein. En tout cas, le peuple attend ce moment. Donc voilà, on va se connecter avec Arthur, naturellement, qui est toujours là en poste. On va manger tout à l'heure et puis on revient. Tu sais qu'il y a un gars qui... Nous sommes en train d'aller à la rencontre avec les membres de la start-up du Claudel Nubisi Business Group et... les chercheurs d'agents certifiés. Voilà. Donc je vous présente le chalet. Nous sommes au chalet. Voilà. Le chalet. Avec le corps de rêve. Voilà, il est en place. Le docteur Claudel en personne, l'assassin. C'est bon. P3 Pat, la vendeuse internationale. Et on a la maman. Alors on va rentrer. Je pense sur le témoin. On ne s'est pas rencontré avant pour dire que quand on va se rencontrer, on va parler de projets, machin et tout. Donc vous voyez le type de sacrifice que ceux qui sont là ont fait pour être là. Pour moi, déjà, c'est une sélection naturelle. C'est une très grande sélection. Et moi, je parle maintenant avec l'expérience que j'ai du Cameroun et de l'Afrique globalement. Ça veut dire que les gens. On n'a pas dit ici qu'on va partager l'argent. On n'a pas dit ici qu'il y a des gens qui vont offrir le financement.
On n'a pas dit ici que voilà, dès qu'on va se rencontrer, à la fin, chacun va bénéficier de telle chose. Non. On a juste, on s'est juste dit, on se rend au restaurant, on va taper, on va se rencontrer. Parce qu'on a l'habitude de se voir en ligne. Et les gens décident d'abandonner beaucoup de choses pour être là. Pour moi, c'est la plus grande sélection. Je suis d'accord avec toi qu'il y aura beaucoup d'autres difficultés qu'on va rencontrer. Ce qui est naturel à l'entrepreneuriat. Je veux dire, c'est, en entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle des commodités. Quand quelque chose arrive déjà naturellement dans tous les cas de figure, ça devient une commodité. Ce n'est plus une exception. Et c'est maintenant à nous de pouvoir engager la marge et de se dire, on se lance. Moi, je causais avec Valérie le matin, il dit, qu'il faut qu'on achète un immeuble ici à Paris, cette année. Je lui dis, oh, il est là, je crois qu'il va en parler ce matin. Je lui dis, que pourquoi on ne le fait pas? C'est là qu'il y a des miracles, ça coûte combien? Sauf que pour que ça se passe, il faut qu'on enclenche quelque chose d'abord entre nous, on se dit, on va le faire. Et si on se dit, déjà qu'on va le faire, avec toute l'expertise qu'on a, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi? Maintenant, je suis d'accord que dans le chemin, il y a certains qui ne vont pas continuer. Il y a d'autres qui vont trouver que c'est difficile. Il y a d'autres qui vont trouver que voilà, moi, ce type de projet-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est normal, ce qui arrive dans tous les projets. Je veux dire, dans tous les pays, dans toutes les communautés, ça existe. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Tu vois. Donc, c'est à ce niveau où j'estime que la crainte est diluée. Parce qu'en réalité, on peut le faire. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais je suis content que tu aies relevé cela. Parce que ne pas le relever, ce serait faire preuve d'hypocrisie. Parce qu'il y a aussi eu des forfaits, mais il y a des forfaits partout. Et moi, l'objectif que j'ai, c'est qu'en sortant d'ici, on se dise qu'on va faire ça de manière précise. Donc, qu'on ne soit pas en train d'épiloguer. On se dise qu'on va faire ça. La première étape de cela, c'est quoi? Peut-être qu'il faut d'abord qu'on se mette en corporation. D'accord, première étape. Deuxième étape, c'est de faire quoi? Troisième étape, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de concret. Cette année, pas l'année prochaine. Pour moi, il ne faut pas que ce soit long. Il ne faut pas que ce soit long. Mais on n'a pas besoin d'être 1000. Moi, j'aime toujours dire, il n'y a aucun pays où le peuple s'élève en même temps que le pays s'élève. Ce n'est pas produit dans aucun pays. Donc, il y a toujours un petit groupe de personnes illuminées qui créent la voie et les autres suivent le chemin. Donc, on ne peut pas tous être dans la voie en train de pouvoir creuser la route de ce qui va nous mener aux objectifs qu'on a. Avec quoi? L'équipe, on est avec. Eh hey, Dieu, je vous ai dit que non, Paris sinon, ça va être la guerre. Celui qui n'est pas à Paris, donc on. Nulle part. Donc là, on a. Donc pour tout vos problèmes de visa étudiant Allemagne, il est là en personne. Gars, Miguel, il faut dire quelque chose ici d'abord. Celui qui n'est pas là demain, pour qu'on partage avec lui toutes les meilleures stratégies pour investir en Afrique, partant des stratégies aux ANA, n'est nulle part. Salut l'équipe. Bon, connectez-vous d'abord. On se connecte d'abord avant que je ne vous fasse découvrir ce qui vous attend demain pour ceux qui seront à la conférence Investir en Afrique qui va être monumentale. Je suis avec le grand Patrick Guifo. Oh. Quand vous entendez souvent qu'il bavardait beaucoup de Colwaz là. C'était lui comme ça. Il aime, c'est vrai qu'il n'aime pas trop qu'on le voit. Mais aujourd'hui, il a décidé de sortir de l'ombre. Patrick Guifo. Il faut. Non, je l'ai demandé de venir demain. C'est demain qu'on va gérer, c'est demain qu'on va parler de tout ça, investir en Afrique. Miguel, c'est très très compliqué, Gars, c'est pour préparer quoi non? Toi tu coupes. Comment je ne sais pas, écoute seulement, écoute seulement. C'est quand même le faire. Et c'est Nelly qui demande au travail. C'est très très compliqué. Non, l'affaire là. De coaching love avec... avec ces deux personnes, je ne vais pas citer les noms. Et la gars, elle a carrément pris le cahier, elle a noté que bon, je vais poser telle question, après je vais poser telle question et telle question. Non, il faut pas que ce soit désordonné comme ça. Maman est. Non, sérieusement là. Ouais, Miguel. Ah, c'est bon, il faut faire le badge de Miguel. Tu as fait le badge de Miguel. Je fais ça maintenant. Mais les gars, est-ce que vous savez ce qu'on a prévu pour vous? Il y a les bouteilles de champagne, les bouteilles de vin rouge, les bouteilles de vin blanc, de tout. Oui. Il y a la sono et tout, gars. Non, après, il faut un peu cosa, tu vois. Non? Oui, j'ai demandé la clé pour la vidéo que tu veux. Ah oui, merde, il faut que j'aille chercher la clé. Ouais, je vais monter chercher.
on a toutes les réponses à leurs questions, même celles auxquelles ils ne se posent pas. Ok, donc je pense que bien le décor est bien posé et je te souhaite assez d'énergie pour pouvoir partager avec toutes les personnes qui nous ont fait l'honneur d'assister à cette conférence et j'espère que ça sera exceptionnel. Alors, monsieur Valère, tu as la merci parole. Beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ted. Bon, est-ce que vous pouvez commencer par applaudir pour tous ceux qui sont là, s'il vous plaît? Super. Est-ce que maintenant vous pouvez applaudir pour une personne exceptionnelle parce que on a rarement rencontré des personnes qui ont autant envie, qui sont prêts à se sacrifier pour voir notre beau continent rayonner des mille feux. Donc j'aimerais vraiment qu'on envoie un tonnerre d'applaudissements pour Claudel Nubissi. Super. Bon. Qui parmi vous me découvre aujourd'hui? D'accord. Qui parmi vous, il y a 3 mois, ne me connaissait pas du tout? Ok. Qui parmi vous me connaissent depuis un peu plus d'un an? Ok. Super. Je posais cette question pour savoir si je dois encore prendre du temps à parler de mon histoire, d'où je suis parti, pour pouvoir réunir ce beau monde ici à Paris aujourd'hui. Mais visiblement, il y a un peu plus de la moitié de la salle qui me connaît depuis un peu plus d'un an. Donc, je ne vais pas trop traîner là-dessus afin qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et que chacun d'entre vous puisse partir avec plus que ce qu'il est venu chercher. Alors, s'il te plaît. Ce matin, lorsque je devais faire le briefing de la présentation que je dois faire, je discutais avec Valère et il me disait c'est uniquement l'image que tu vas projeter, donc tu n'as pas de diapo. Je lui ai dit oui, je vais durant toute ma présentation montrer juste une seule image qui sera le fil conducteur de tout ce que j'aurai à partager avec vous. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà suivi beaucoup de vidéos.
Alors, sur le chemin du retour, avec Mélie et Valet, alors nous sommes dans un parking qui est comme un pays. Ce parking, c'est comme un pays en réalité. Lorsqu'on est en train de descendre avec Valet, je regarde sur l'écran, on nous dit qu'il manque 938 places. Et là, c'est juste un seul niveau. Et c'est impressionnant. Valet, ça coûte combien ici le parking? C'est 1 minute à 1 euro. 1 minute à 1 euro. Vous comprenez? C'est que chaque minute qu'on fait ici, c'est 1 euro. C'est extraordinaire. En fait, ça, c'est la mamaille. En fait, ce sont ces gars qui font la mamaille. Ce n'est pas nous.